Le commissariat Saint-Marc, nous allons faire un petit bas de bouche avec le commissaire principal. Là. Commissaire, bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir, très bien, grâce à Dieu. Nous apprenons hier que vous êtes dans la rue et donc en pile fatigue. Bon oui, chaque jour la police occupe le terrain. Nous occupons le terrain, commissaire. Nous apprenons des saisies qui font des arrestations. Bah, nous petit détail. Bon, nous avons résumé rapidement et qui ça nous fait. Alors ça, la police fait comme action au cours de ces deux derniers jours, c'est que par rapport à menaces, par rapport à rumeurs qui dégainent et sous Jean Béton pour l'occuper, la police Saint-Marc est mobilisée pendant deux derniers jours et nous sommes arrivés à lancer une opération déteintée de machine et retirer carcasse machine et surtout sur la terre principale pour permettre que la population soit capable de battre à l'occupation et libérer et pour l'activité de reprendre journée, jeudi, lundi. Et c'est ça qui est fait, accompagné du commissaire du gouvernement, aidé par les notables, par des citoyens conséquents de la communauté, nous sommes arrivés à nettoyer la route là, côté pas moins de 7 carcasses de véhicules dégagées complètement de la route. Et nous sommes arrivés à déteindre plus de 70 véhicules. Il y a 3 arrestations faites. Dans 3 arrestations faites, il y a un monde qui relaxe. Ça, c'est dans le cadre d'opération de teinté et déblayer route là de carcasses de véhicules qui étaient occupées chaussées. Maintenant, il y a d'autres travail qui fait. Hier, pendant que les policiers travaillent dans le point fixe, il y a des gens qui ont passé avec des produits suspects. Et ils ont rendu compte que Jean Béton occupé a eu une difficulté pour passer avec le produit ça. Et ils ont abandonné 4 sacs qui étaient des produits qui semblaient avec marijuana que la police a récupéré suite à l'information que nous avons reçue. CGA était sur place. Combien dis-nous, CGA il est toujours avec nous, il accompagne les policiers. Et tout hier soir, nous sommes ensemble, nous travaillons. Et c'est comme ça, matin, et nous recevons des informations alors, depuis hier soir. Et ça a conduit nous à dénicher un détaillant de produits stupéfiants, produits qui semblé avec d'autres. CGA, ensemble avec l'équipe Li, ensemble avec les policiers dans le commissariat Saint-Marc, nous sommes arrivés à procéder à l'arrestation de. Nous avons interpellé quelques individus. Et il y a un suspect principal qui a une chance de même de jeter et il a abandonné le véhicule. Le véhicule dans le commissariat là. Gagné environ 648 025 gouttes que nous déjouons dans le CASA qui saisit avec des récipients qui gagnaient des produits qui semblaient avec cocaïne. Nous avons un petit paquet de marijuana tout et du cannabis. Dans la loi. Et le nécessaire a été fait, le juge de paix fait constat. Et l'article SAO est présentement dans le service d'investigation. Nous avons suite et à que la justice a baillé à produire à, n'est-ce pas, et action SAO ou bien
saisi ça que nous fait. C'est dans quelle zone et fouille ça lui-même nous fait puisque on dit nous deux bagages bon, bon, premier qui va abandonner. C'est bon fouille, c'est bon. Alors pour matin c'est une perquisition. Mm-hmm. OK, qui fait en bonne et due forme dans zone chemin neuf. Et dans qui côté monsieur était abandonné et sac lorsque il était voyé. C'est dans la station à c'est dans station Port-au-Prince. Mais après deux mois, après mon tour fin arrêté, pas que l'autre monde a cherché pour l'instant. Oui, il y a monde qui a cherché pour l'instant que nous pouvons capable révéler l'identité parce que l'enquête est en cours. Et mais au moment opportun, monsieur que n'a pas. Merci beaucoup, c'est bien. Je vous en prie.